Dans le dernier épisode de God of War, nous avons incarné Kratos qui était arrivé sur un bateau inconnu et où Poséidon nous a demandé de combattre l'hydre de Lerne. Et yo tout le monde, c'est Félixu. On se retrouve, on se découvre pour l'épisode 2 de God of War. Alors la dernière fois on avait battu l'hydre de Lerne. Et du coup ben là on va continuer l'histoire. Faut savoir que la dernière fois je suis pas allé beaucoup plus loin. Enfin, la première fois que j'avais tourné, je suis pas allé beaucoup plus loin, hein, mais c'est seulement que ben, vu que je découvrais un peu plus, j'avais un peu moins les mécanismes du jeu, du coup, ben, ça allait moins vite. Mais sinon, ben, ça va. Ok. Là, ce qu'on veut, c'est monter justement les arcs, tout ça. Là, on retourne, on passe derrière. On ouvre. Et voilà. Massacrés comme des bêtes, les victimes gisaient devant lui. Un rappel de son passé. Un passé auquel il ne pouvait échapper. Sa seule consolation était la mer. Naviguant sans cesse d'un port. Il est possible que dans cet épisode, il y ait des censures. Parce que je sais à peu près ce qui va se passer. Peu importe la quantité de vin consommé ou le nombre de femmes dans son lit, rien sur terre ne pouvait lui faire oublier les horreurs qui le tourmentaient. Athéna! Dix ans, Athéna! J'ai loyalement servi les dieux pendant 10 ans. Quand me soulagerez-vous enfin de ces cauchemars? Nous vous demandons une toute dernière tâche, Kratos. Votre plus grand défi vous attend à Athènes, qui a été assiégée par mon frère, Arès. À cette heure, Athènes est sur le point d'être détruite. La volonté d'Arès est de faire tomber ma grande cité. Zeus a interdit aux dieux de se faire la guerre mutuellement. C'est pourquoi je fais appel à vous, Kratos. Seul un mortel entraîné par un dieu aura une chance de vaincre Arès. Si je fais ce que vous voulez, si je tue un dieu, alors les visions, elles cesseront. Accomplissez cette ultime tâche, et le passé qui vous consume sera pardonné. Ayez foi, Kratos. Les dieux n'oublient jamais ceux qui leur viennent en aide. Abandonnant la carcasse pourrissante de l'hydre, Kratos reprit la mer. Son plus grand défi et la possibilité de se libérer de sa folie grandissante l'attendaient dans la cité d'Athènes. Ok. Restez, Kratos. Encore. Hop là. Oui, on va re-sauvegarder, hein. Important. Relégeons. Hop là.
Et on arrive devant les portes d'Athan. Détruisez Arès, et les dieux vous pardonneront vos actions passées. Ok. Ok. Bon, bah on va avancer tranquillement. Ok. Ok, par là. Vous avez gagné une plume du phénix, mais en encore 5 et augmenté votre magie. Ok. Voilà. D'accord. Ok, là je viens de faire un grand tour pour rien. De la vie, bon, on a vu qu'on a croisé personne, ça va. Les bêtes ont pris à tête. Les bêtes. Ah. Attention. Sayonara. J'aurais peut-être dû garder ma foudre pour maintenant. Ok.
Oh merde, je l'ai pas vu ça. Ok. Ok. Et ça passe. Ok. Et l'on a terminé. Moi, je peux pas. Je peux pas récupérer ce coffre, c'est bizarre. Ce coffre de magie, je pouvais pas le récupérer. Vous, les renforts sont arrivés. Arès a amené ses bêtes dans Athènes. Sans aide, la cité est perdue. La porte est détruite. Il va falloir trouver un autre. Ok. Je vois le problème. Ok. Bon, ils sont pas si durs. Ah, je me suis payé. Eh merde! En fait, à chaque fois, ça change. Ok. Oui, ça c'est bon. Une croix montée d'Apollon, fureur d'Apollon, élan d'Hermès et rage d'Hermès. Que la colère des dieux guide tes lames, Kratos. Ok, donc par là.
Attendez, du coup, ça, il faut le détruire, je suppose. Ok, c'est par là qu'il faut aller. Ok, on est sur le bon chemin. Sont contents de vous avancer. Mais vos aptitudes actuelles ne suffiront pas pour vaincre les serviteurs d'Arès. Je vous offre un grand pouvoir, celui de paralyser vos ennemis sur place. Mais vous devez mériter ce don. Ok. Hydre de l'air. Non, qu'est-ce que je dis, hydre de l'air? La méduse. Et je vous offrirai le don de maîtriser sa puissance. Ok. Oriente-le à gauche en fonction du motif au-dessus de la médise. S'il te plaît. Attends, c'est quoi? C'est lequel? Eh, c'est chaud à faire. J'ai juré. Ok, donc c'est bien l'autre. Ok, c'est les deux. Complexe. Oh punaise, par contre elle tout one shot. Ok. Cool, je suis full magie, je vais pouvoir utiliser Poséidon, ça va aller beaucoup plus vite.
Oriente le gauche. Ok. Voilà. Vous avez acquis le regard de la méduse. Paralysez-les, détruisez-les tous avec le regard de méduse et le pouvoir des gorgones sera vôtre. L2 et carré pour tirer, ok. Quand la main boudra, bien sûr. Pas mal tout ça. En vrai, c'est tellement pété de pouvoir les figer et puis après taper. Ah, la manette. La manette. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc on aura battu la gorgogne et obtenu un autre pouvoir de dieu par rapport à la dernière fois, ce qui est déjà pas mal. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cet épisode vous aura plu. Si cet épisode vous a plu, c'était Felingsu, ciao tout le monde, bye bye.